Ah voilà, monsieur Ducournau, vous êtes en retard. Ouais, je sais, mais fallait que je m'épile le pubis. Ouais, ça a pris plus de temps que prévu. Il commence bien celui-là. Votre candidature a été retenue par le directeur de la NASA, qui connaît visiblement très bien votre femme. Bon, bah c'est chouette ça. Par contre, il faut savoir que vous serez sur le poste de copilote. Quoi, c'est pas moi le pilote? Non, en fait, désolé. C'est un pilote belge de renommée qui a eu le poste. Vous vous foutez de ma gueule? Non, pas du tout. Ah bah c'est la meilleure, celle-là, putain. Il faut dire aussi que vos performances au test de mathématiques ont été assez mauvaises. Bah allez-y pour voir, retestez-moi, je suis une vraie brute en maths. Bon, très bien, alors combien font par exemple 4 x 12? Bon alors, 4, je retiens 10, je soustrais 6. Ça m'a surpris un peu en fait. Ouais, ça fait 60. Il y avait un piège, hein. Ouais, balèze le mec. Nous voilà réunis pour revoir en détail cette mission internationale sur Mars, digne des meilleurs astronautes. Bon, sauf lui, c'est une merde. Un chinois qui voulait toujours bouffer ses nerfs, ça c'est Freud. Bon alors, en parlant de ça, moi je suis ok pour aller me peler le cul là-haut, hein, mais à une condition. Si on embarque 500 kilos de fromage. Et un appareil à raclette. C'est n'importe quoi. Ouais, madame. Oh, t'en auras si t'es gentil avec moi. Mais quel connard! Pas de querelle à vos missions ni à bord. C'est important. Vous allez rester longtemps confinés ensemble. Faudra pas vous mettre sur la gueule. Alors, ok pour les fromages si notre français reste performant. Dans le cul. Allez, c'est parti, mon kiki! Alors, attention, c'est un badge volant, les gars! Oh là! Et ça se fout à moi, cet engin. Et c'est super inconfortable, ces sièges. Non, mais y'a que moi que ça dérange ou il fait super chaud, là? Ouais, j'ai envie de me gratter les couilles, on peut pas avec ces combis, et c'est super mal fait. Ah, faudra qu'on en parle au concepteur, hein. Arrête de râler une fois, et concentre-toi sur les paramètres de vol. Oh, ça y est, j'ai la gerbe, putain. Je vais me noyer dans mon casque. Station visuelle. Eh ben, c'est pas trop tôt, bordel. Bon, c'est maintenant qu'il va lui annoncer. Prépare-toi, ça va être dur. On va en chier. Oui, monsieur Ducournau, bonjour. Bon, hey. On a une information importante pour vous. Bon, on n'a pas pu charger le fromage dans le vaisseau. Ouais, c'était trop lourd, hein. Bah, désolé. Bah, ça compromettait la mission jusqu'à Mars, hein, quand même. Voilà, bon courage. Non, non, non.